abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Julien Courbet crie au scandale. Présent lors du match Hongrie-France ce samedi 19 juin, l'animateur de M6 a dénoncé avec humour une arnaque. Tous les supporters de l'équipe de France y croyaient dur comme fer. Ce samedi 19 juin, les Bleus ont affronté la Hongrie pour leur second match de 2021 Euro. Et on ne peut pas dire que la rencontre fut une promenade de santé. En effet, les Hongrois ont mené pendant plus de 20 minutes grâce au but d'Attila Fiola juste avant la mi-temps. Il aura fallu attendre la 66e minute de jeu pour qu'Antoine Griezmann puisse égaliser sur un centre de Mbappé. Une contre-performance, puisque si les Bleus avaient remporté le match, ils auraient été qualifiés pour les huitièmes de finale. Malheureusement, il faudra attendre le match contre le Portugal pour savoir quel sort sera réservé à notre équipe de France de football. Malgré tout, le soutien des supporters reste sans faille. Si certains sont restés à la maison. Comme la famille de Jean-Marie Bigard, dans les tribunes du stade de Budapest. De nombreuses célébrités étaient présentes, comme Julien Courbet. En effet, le présentateur phare de M6 s'en est pris à l'organisation du match pour justifier la défaite des Bleus. C'est sur Twitter que Julien Courbet a déversé sa colère, mêlée avec un petit peu de chauvinisme. Point difficile de jouer à son meilleur niveau, a-t-il d'abord déploré avant de reprendre la parole sur son compte Twitter. J'étais au stade, il faisait chaud uniquement pour les Français, pas pour les Hongrois, car il y avait la clim dirigée sur les joueurs hongrois. Pas de doute, c'est pour cette raison bien précise que les Bleus se sont inclinés face à la Hongrie, sinon la France aurait gagné. C'est une arnaque, conclut-il.